Hello, hello YouTube. Salut. Je vais vous connecter. Hello les girls. Est-ce que vous me voyez bien, les filles? Est-ce que vous m'entendez bien? Je fais mes petits checks de début d'entraînement. Salut à toutes celles qui se connectent, bienvenue. Du coup, j'ai de l'eau, j'ai plus d'eau. Après, j'ai tellement soif déjà. Attendez, je vais mettre un petit coup d'eau. Préparez-vous de l'eau aussi. J'arrive, là. Je suis un petit peu à la bourre. Ça va? Salut Paola, Sophie et Jad. Gabriel. Salut. Et sur... coucou Alex. Coucou. Donc aujourd'hui, on se fait... Attendez, je me recoiffe un petit coup. On se fait du coup abdos. Donc, comme d'habitude, circuit training. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus court que d'habitude. Mais vous allez voir, les exercices qu'on va faire, ils vont cramer. Ils vont cramer le bas du ventre, le bas de votre sangle abdominal. Donc, il est pour toutes les femmes. Sauf, bien sûr, les femmes enceintes qui ne peuvent pas réaliser cet entraînement. Et les jeunes mamans, je vous recommande d'avoir au moins... 4 mois, 5 mois post-natal. Parce qu'en fait, vous allez voir, je vais vous expliquer dans l'entraînement, mais ça nécessite de gainer quand même pas mal et c'est assez intense. Et si en fait, votre transverse n'est pas encore assez fort, si votre sangle abdominale encore n'est pas assez forte, votre ventre risque de ressortir et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, si vous êtes jeune maman, on va faire l'échauffement ensemble. Je vais vous montrer un petit peu les mouvements. Vous pouvez tester, vous pouvez voir un petit peu comment réagit votre corps, comment réagit votre sangle abdominal. Et si vous ne le sentez pas, si vous sentez des douleurs, si vous voyez que votre ventre ressort, et que ça, ce soit jeune maman ou même normal, hein, parce que c'est vraiment, ça peut vraiment être challengeant. Donc, du coup, vous voyez. Et si vous êtes jeune maman, bah, du coup, ne faites pas le live cette fois-ci. Par contre, celui de la semaine dernière, vous pouviez le faire, les jeunes mamans. Si je me souviens bien, c'était OK pour les jeunes mamans. Donc, voilà, il y en a plein sur mon compte Facebook, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à les refaire. Voilà. Donc, comme d'habitude, on se fait l'échauffement, comme je l'ai dit. Je vous montre tous les exercices. Je vous explique tout, comment il faut bien se positionner, des modifications pour celles qui ont besoin de modifications. On va faire donc chaque exercice pendant 30 secondes. On va prendre 10 secondes de repos entre chaque exercice. Il y a 4 exercices et puis on va répéter ça 4 fois. Donc, ça va nous faire un entraînement de à peu près 8 minutes. Ça va être rapide. Vous dire autant, 8 minutes, c'est tout court. Mais vous allez voir que ça va bien brûler. Donc, voilà, on commence tout de suite du coup. Je ne vais pas trop parler et je vais essayer d'enchaîner rapidement. Sur Facebook, hop, c'est bon, vas-y, fais-nous mal, Alison. Mais écoute, ouais, je pense que, enfin, moi, en fait, c'est vraiment des exercices qui me challengent beaucoup. Donc, écoutez, on va voir si c'est pareil pour vous. On y va, les filles? Donc, pas de, alors, j'avais dit un coussin, mais en fait, j'ai changé d'avis. On va pas utiliser de coussin, juste un tapis de sol. Ok. Bon, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais moi, il fait une chaleur, mais pas possible. J'ai même pas commencé, je transpire déjà. Ah, mais voilà, notre petite guest de tous les vendredis, son apparition. Ouais, t'as trouvé mon cœur, bah, tu le lis tranquille. Maman vient se mettre là, poussin. Il faut que je me couche là. Tu veux mettre un autre tapis? Oui, voilà. Tiens, je te mets là. Voilà. Donc, c'est bon, vous me voyez bien. Je suis un peu baissée. Hop. Voilà, le petit tigre.
Alors, donc, ça va se passer majoritairement au sol. On va être assis, on va pas être debout. Premier exercice. Alors, en fait, pour celles qui sont confortables et qui n'ont pas de problème de dos et voilà, qui n'ont pas de soucis avec ça, vous pouvez complètement vous allonger au sol. Moi, personnellement, et je le recommande souvent aussi pour les jeunes mamans, ou les débutantes, ou voilà, celles qui ont du mal un petit peu, qui ont un peu mal au dos de temps en temps, ou qui ont du mal à vraiment bien engager leur sangle abdominale, je vous conseille de vous mettre dans cette position comme moi. Comme si vous étiez à la plage, vous voyez, on prépare un petit peu le truc. Et voilà, vous vous positionnez bien, d'accord? Vous vous reposez bien, donc, du coup, sur vos coudes. Ici, vous êtes bien agrandi. Vous voyez, vous n'êtes pas avachi comme ça dans vos épaules. Hop, vous envoyez votre torse vers le devant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner des exercices de jambes, et donc qui vont vraiment travailler le bas de nos abdominaux. Donc, on va allier des exercices qui travaillent donc notre transverse et puis également les obliques. Parce que les obliques, hop, ils s'insèrent ici vers le bas de nos abdominaux. Et du coup, c'est cette partie-là voilà, qu'on veut renforcer pour essayer vraiment de travailler cette zone. Donc, on va commencer en amenant les jambes comme ceci à 90 degrés, d'accord? Donc, n'oubliez pas, poussez-vous bien comme ça. Là, on va descendre un pied en inspirant. On expire, on remonte. Inspire. Expire. Inspire. Encore, je ne vais pas le faire là, vraiment, elle fait des exercices. Non. Donc, faites-le, voyez. Hop. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, quand vous montez votre jambe, il faut vraiment essayer de vous concentrer et de vous connecter à vos abdos du bas. Moi, je vais me faire exploser le ventre. Hop, mets-toi mon corps, s'il te plaît. Donc, maman, elle ne peut pas faire son entraînement, d'accord? Tu veux aller? Non, mon corps, je ne sens pas. Il faut que je monte mon corps. Je me dis que j'en ai trop marre. J'en ai trop marre! Mon cœur! Allez, ça va avec papa. Donc, voilà, vous faites ça, d'accord? Vous expirez, vous remontez. Inspire, expire. Quand vous expirez, toujours vous essayez du coup de contracter votre périnée, d'engager mon cœur, d'engager votre transverse, d'aspirer et vous remontez. Ok? Après, on va se prendre même pas 10 secondes de repos et on va venir tendre les jambes, monter, descendre, comme ceci. Donc là, pareil, vous allez sentir le bas de vos abdos qui travaille. Voilà, donc on essaie vraiment d'avoir, vous voyez, les pieds bien tendus, bien flex. Hop, et on bouge comme ça, et on sent que les abdos qui travaillent à fond. Ensuite, pareil, à peine 10 secondes de repos. Voilà, non, je ne peux pas faire les exercices si tu fais ça. Comment on remonte? Allez-y, les filles, continuez. Allez, tu fais avec moi? Tu te mets là, tu fais avec moi? Allonge-toi. Voilà. Sur le dos, et tu tends les jambes. Et après, on reste pareil, et là, hop, on vient faire des ciseaux. Donc là, les filles, en fait, ce qui est important quand vous faites ces exos, vous voyez, ça demande vraiment continuer, ça demande vraiment, vous êtes obligé vraiment de bien engager votre sangle abdominale. Moi, ce que je veux surtout pas voir, et c'est là où vous allez vous rendre compte que non, vous êtes tendre assez forte au niveau de la sangle abdominale pour faire ces exercices, si vous voyez que votre ventre ressort. Vous voyez que ça forme un dôme, où vous voyez qu'il n'y a aucune connexion, que ça vous fait mal, que vous avez, même avec cette position-là, que vous avez mal au dos, là, c'est que votre sangle abdominale, elle n'est pas assez forte pour faire cet exercice, ces exercices, d'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille du coup d'arrêter l'entraînement et passer à un entraînement qui est un petit peu moins challengeant, et puis vous reviendrez peut-être dans quelques semaines, quelques mois pour refaire cet entraînement, ok? Le dernier exercice, on va venir sur son tapis de sol, comme ceci. Maman. Donc, hop. Maman. Oui, mon père. Ouais. En planche. Et là, vous allez venir descendre votre bassin comme ceci, à droite et à gauche. Donc, toujours en engageant bien votre sangle abdominale. Vos pieds, vous allez voir, ils vont bouger un petit peu. Donc, n'hésitez pas à les remettre en place à chaque fois. Voilà, et là, vous allez bien sentir normalement vos obliques qui travaillent à fond. Donc ça, c'est les quatre exercices
qu'on va essayer d'enchaîner donc vraiment de manière assez rapide avec seulement 10 secondes de repos. Et donc on se fait chaque exercice pendant 30 secondes. Donc toi, tu peux pas aller avec papa ? Je veux voir ouais. Allez, viens. La télé, froid. Ouais, viens. On va aller faire voir les maths, tu vas prendre tes questions là-bas. D'accord. Mais il en a mangé à Thaïs. Ouais, mais il en a mangé à Thaïs, mais il va te raconter une histoire après. Ça, ma fille. La mauvaise mère. Bon, ça va? C'est bon, les filles, c'est clair? Hop, voilà, on est plus tranquille hein, maintenant. Je vais pouvoir mieux vous expliquer, donc on va commencer. Hop, je vais baisser ça un petit peu. Donc, on y va. Donc, vous voyez, vous avez dû sentir déjà que là, pendant l'échauffement, ça commençait déjà à bien travailler. Donc, on y va, on s'installe bien sur mon coude ou sinon allongé. Mais je vous dis, pour moi, je trouve que c'est vraiment trop challengeant. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui me regardent, qui font les lives. Donc, mettez-vous comme moi. Voilà. Donc, 90 degrés. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, remonte. Connectez-vous bien. Vous sentez les abdos du bas, là. Ils s'engagent. Ils vont remonter vos jambes. Avec l'expiration. On pense à son périnée. Yes. Allez, 10 secondes. Si vous voulez, vous pouvez rester comme ceci. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez poser vos pieds. On essaie de garder un petit peu le challenge. Et là, on tend nos jambes. Et c'est parti pour 30 secondes de battement. Donc, n'oubliez pas, votre ventre doit rester bien galéré. Hein. Surtout pas de ventre qui sort. Allez, poussez bien sur vos coudes pour rester avec un bel étirement. Il reste 10 secondes. Tenez bon. Essayez vraiment de bien tendre vos jambes. Et on relâche. Super. Replacez-vous bien si vous avez besoin. Et on enchaîne avec les ciseaux. Est-ce que vous sentez que ça chauffe déjà? Allez, c'est parti. Petit ciseau. Donc, plus vous êtes en haut, moins c'est challengeant. Plus vous descendez, plus c'est challengeant. Donc, trouvez votre niveau. Mais pareil, hein, si vous voyez que là, vous n'avez plus, à ce niveau-là, il n'y a plus de connexion, vous remontez. Hop, c'est un petit peu plus facile. Et là, franchement, les filles, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça crame bien. Allez, il reste 7 secondes. 2, 1. Ah, on relâche. Super. Allez, on vient se mettre sur les avant-bras. Et on vient se mettre en position de planche basse. Et c'est parti pour faire notre drop à droite et à gauche. N'oubliez pas, pareil, hein, sans l'abdominal bien engagé, le ventre, il est bien... On a une connexion, on voit. Il n'y a pas de dôme qui se crée sur le ventre. Allez, remettez vos pieds si besoin. Je les remets souvent en place parce qu'ils glissent. Allez, 2 secondes. Yes! Super, les filles. Allez, on enchaîne. Vous voyez, c'est intense. Hein. Allez, le petit drop. Deux jambes. Expire, remonte. Inspire, expire. C'est pareil, vous voyez que vous avez du mal, vous pouvez faire juste ça. Hop. Si vous êtes vraiment une jeune maman, vous voulez quand même essayer de faire l'exercice d'entraînement. Yes. On relâche. On reste en suspens si on veut se challenger. Mais moi, franchement, je douille. Allez, levez deux jambes. Hop, c'est parti. Battement. Donc, pareil, hein, en fonction du niveau que vous avez, vous pouvez descendre bien bas comme ça. Si vous voyez que c'est trop dur, vous faites juste, vous voyez, des petits battements vers le haut. Vous gérez. Essayez vraiment de bien garder vos jambes tendues. Respirez bien. Inspirez par le nez. Respirez par la bouche.
Allez. Si vous avez mal au dos, si vous sentez des douleurs, n'hésitez pas à passer au niveau inférieur hein, en descendant moins vos jambes. Vous restez comme ça et vous allez avoir beaucoup moins mal. D'accord? Sinon, vous modifiez votre positionnement. Normalement, pas de mal de dos. On n'est pas là pour se faire mal. Allez, petit ciseau. Allez, 20 secondes les filles, tenez bon. Les jambes bien tendues. Allez, allez, ça brûle. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ah, on relâche. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Ah, mettez-vous en position d'enfant si vous avez besoin. Allez, go. Allez, droite, gauche. Ne montez pas trop les fesses vers le haut, hein, surtout pas. On essaie vraiment de bien être gainé, hein, de bien être étiré. On étire bien sa tête vers le devant de la salle. Allez. Yes. Dernier round, les filles. Tenez bon. Je regarde vite fait vos petits commentaires. Le bas du dos doit être bien plaqué au sol. Ouais, ouais, ouais. Allez, les jambes. Ça m'a l'air de rentrer. Donc là, je finis ma vidéo. Je viens après. Je vais lui ouvrir, c'est trop bon soin. Allez, c'est bon. Allez, tu fais le timer. Allez, levez deux jambes les filles. Donc en fait, quand je disais le bas du dos, en fait, si vous êtes comme ça, il touche pas, mais le dos doit être bien droit. Vous voyez? Et par contre, non, vous ne paravez pas. Par contre, si vous êtes, vous voyez, sur le sol comme ceci, oui, le bas du dos doit être bien collé au sol. D'accord? Et si jamais vous voyez que vous avez un petit peu mal au dos, moi, ce que j'aime bien faire pour faciliter un petit peu, c'est mettre les mains comme ceci. Hop, juste au-dessus de ses fesses. Ça vous aide un petit peu à garder la connexion. D'accord? Allez, très bon, on va faire le lit. Super, les filles. Allez, on est parti pour les ciseaux. Let's go. Allez, petit ciseau. Ciseau. Allez, écarte, rapproche. Et on coupe. On coupe. On va remettre les mains. Ça va? Ah, ça brûle. 5 secondes, les filles, tenez bon. Ouh, yes. On relâche. Allez, on enchaîne. Tiens. On enchaîne, planche. Allez, à droite et à gauche. Allez, on descend bien. Là, ça fait travailler vos obliques à fond, votre transverse. Allez, les filles, c'est les dernières secondes. Tenez bon. Et on relâche. Mettez-vous en position de l'enfant comme ceci. Voilà, étirez bien votre dos. Ouais, c'est fini. Super. Doucement, vous déroulez votre dos. Faites des petits cercles comme ça avec vos épaules. Hop. Et voilà, tranquillement sortez votre position. Comment ça s'est passé les filles? Est-ce que vous sentez à fond vos abdos du bas? Moi, je les sens énormément. Donc, j'espère que vous, c'est pareil. Est-ce que vous avez des douleurs au dos ou pas? Dites-le moi aussi, c'est intéressant de savoir. Normalement, vous ne devez pas en avoir. Alors, vous devez sentir quand même hein, que ça travaille, que ça, des fois, ça peut un petit peu tirer.
Surtout si vous avez pas fait d'abdos depuis longtemps ou quoi. Mais normalement, vraiment, il ne faut pas que vous ayez mal au dos. Surtout pas. Sophie, ça a bien chauffé. Mais écoute, super. Donc, je le rappelle, pour avoir un ventre plat, c'est vraiment donc, important dans un enfin, le muscle en fait, qu'il faut vraiment renforcer, c'est le transverse, qui est le muscle abdominal le plus profond de votre sangle abdominale. D'accord ? C'est lui qu'on veut travailler. Donc là, on l'a travaillé. En fait, le transverse, il fait vraiment tout le tour de votre taille, comme ça. Et vous avez vos obliques aussi qui s'insèrent ici. Et en fait, donc, nous, c'est notre transverse plus les obliques ici, comme ça, hop, qu'on veut travailler. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez renforcer cette, cette zone-là. Alors, ce n'est pas que cette zone-là qui va être responsable de votre ventre plat, bien sûr. Hein. Et également, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent, nous, les femmes, on stocke. C'est souvent là, en bas du ventre, on a souvent la graisse qui se met là. Donc, cette graisse-là, elle ne va pas partir en, en faisant uniquement ce genre, de, ce genre d'entraînement. Elle va partir en intégrant dans vos routines sportives des entraînements qui vont vous challenger, qui vont augmenter votre métabolisme de base, qui vous permettent de brûler davantage de calories. Et qui va, il va falloir également allier tout ça avec une bonne alimentation. D'accord ? Donc, allier l'alimentation, des séances de sport variées qui vous challenge, qui développent votre masse musculaire, des petites séances comme ça de renforcement de la sangle abdominale. Et vous allez voir que normalement, vous allez avoir une amélioration sur l'aspect de votre ventre. Voilà. Alors, le bas du dos pour Céline, mais la douleur est supportable. Je pense que c'est parce que ça a chauffé, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ça a bien travaillé, ça a bien chauffé, donc c'est pour ça. Voilà. Si c'est supportable, c'est très bien. Aurélie, surtout avec ma grande, qui fait comme Maya. Mais écoute, est-ce qu'on peut avoir mal au psoas? Ouais, tu peux peut-être, tu peux sentir. Tu peux sentir, ça peut te... Enfin, il faut que ce soit supportable, hein, toujours. Attendez, parce que là, du coup, il y a tout qui est noir. Il y a mon chien, il y a tout le monde qui va démarquer. Je vous jure, mais à chaque fois, c'est un cirque. donc, ouais, tu peux avoir mal. Mais pareil, il faut que ça reste raisonnable. Et puis, vois un petit peu, peut-être réadapte ta, repositionne-toi. N'hésite pas à te faire après des mouvements de stretching pour essayer vraiment de détendre ton psoas. Parce que le psoas, c'est le muscle un petit peu poubelle. C'est là où il y a toutes les tensions qui se mettent dans ce muscle-là. Pour celles qui savent pas, c'est un muscle qui est là, qui est bien profond. Et du coup, n'hésite pas soit à le masser comme ça, bien profond, ou voilà, faire des mouvements qui ouvrent tes hanches et qui étirent du coup ton psoas. Ça peut te faire du bien. Voilà les filles, bah, écoutez, on est bon, on a fini, c'était très rapide ce soir, donc j'espère que ça vous a plu. Dur, Solange, ouais. N'hésitez pas si vous voulez à le refaire en replay, il sera dispo du coup sur YouTube et sur Facebook comme d'habitude. Voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des entraînements un petit peu plus réguliers, j'ai Woman Studio hein, qui est toujours là et qui sera toujours là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller faire un tour. Vous avez 15 jours d'essai gratuit. Donc, si ça vous intéresse, pour celles qui ne savent pas, c'est un studio en ligne qui propose des séances de fitness, de bien-être pour la femme à chacune des étapes de sa vie. Donc, si vous êtes dans une optique de tonification et de perte de poids, il y a des entraînements qui correspondent à cet objectif. Si vous êtes enceinte, vous avez des entraînements prénatales qui vous accompagnent à chacun des mois de votre grossesse. Et si vous êtes jeune maman, vous venez d'accoucher, vous avez également des entraînements qui vous accompagnent dans votre mise en forme, votre réhabilitation, qui vont vous aider donc à vous à reprendre le sport de manière douce et progressive. Voilà, donc il y a tout ça sur vous-même si ça vous intéresse. Et voilà, donc Gabriel, tu te dis ça a bien chauffé, par contre j'ai les hanches qui craquent quand je fais les battements, je ne sais pas si c'est normal. Alors c'est que en fait tu dois souvent être très très souvent assise, t'es sédentaire et que bah, voilà, tes hanches sont pas très mobiles, il y a tout qui est un petit peu coincé, donc c'est vrai que du coup si t'as pas l'habitude de faire ces mouvements, ça peut craquer un petit peu, ça peut faire des trucs bizarres. Donc pareil, et n'hésite pas à toi à faire des mouvements pour essayer d'ouvrir tes hanches, pour essayer de vraiment mobiliser cette région de ton corps. Refais plusieurs fois si tu veux ce petit entraînement de manière régulière. Et puis voilà, ça te permettra de renforcer bien cette zone. Et puis je pense qu'avec le temps, normalement, ça ira mieux.
Est-ce que je fais du yoga prénatal? Non, j'en fais pas. Enfin, je fais du yoga, je sais adapter les mouvements pour le prénatal, mais je ne suis pas une prof de yoga certifiée prénatale. Enfin, en tout cas, je ne suis pas une prof de yoga. Donc, sur vous-même, vous allez normalement bientôt retrouver des entraînements de yoga prénatal. Ça arrive dans les prochains mois. Je suis en contact avec différents profs de yoga. Donc, voilà, le temps de tout se mettre en route. Normalement, vous allez en retrouver sur le studio. En tout cas, en attendant, il y a plein d'autres entraînements de renforcement musculaire, il y a du pilates, des choses comme ça. Donc, voilà. Ah, mais Lola, parce que tu es enceinte de 8 mois. Ouais, c'est bientôt la fin. Non, mais il n'y a pas encore de yoga sur le studio. Mais ça arrive très bientôt. Voilà, les filles. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présentes ce soir. Je vous dis donc à très bientôt sur Facebook, sur YouTube la semaine prochaine. On a un prochain live. On n'oublie pas, c'est un petit rendez-vous donc hebdomadaire tous les vendredis soirs, 18h30. Une petite session comme ça. Donc, je communique dessus donc sur mon Insta souvent. Donc, je vous fais des petites stories et donc restez à l'écoute de mes stories pour être au courant des événements. Donc, sinon, sur ma page Facebook, je vous fais un petit event. Donc, n'hésitez pas à rejoindre pour avoir le petit reminder. Voilà, je vous fais à toutes un gros bisou. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Salut les filles.